tu as vu Balthazar Picsou et il est constamment nu, donc j'annonce. Voilà, eh ben il avait pas vraiment une grosse bite à mon souvenir. Attends, il fut un temps. Ouais, mais il est riche. Il est riche, c'est comme Donald Trump. C'est comme Donald Trump. Il est peut-être une petite bite, mais beaucoup de gonzesses, tu vois. Donc, surtout, j'ai envie de dire, ça ressemble tellement à une application Facebook quand même. C'est un peu la violence. Hein. Ouais, ça fait un peu Roblox les personnages, mais bon. C'est reparu, je suis là. On va faire voir ta gueule. Oh, dis donc, il est méchant. Vénère, derrière-toi un piaf. Il est pas agressif. On est dans un monde des collines paisibles. Nique sa mère. Voilà. Voilà. Fuck la nature. Il était pas agressif, mais nous on l'est. Il y a pas de problème. Ah ouais, c'est clair. Alors, on dirait que tu plantes un peu les bulbes avec ta bite. Hein. Sérieusement, tu fais un petit mouvement de la hanche. Écoute, moi je plante les graines dans le sol comme je les plante dans ta maman. Très gentil, hein, j'avoue. Ah bah oui, des perroquets n'ont pas fait très très mal. C'est ça, et le squelette, il était pas très vénère. Hein. Seuls les chevaliers du portail savent ce qui se trouve de l'autre côté. Soyez sûr d'être fin prêt avant d'y aller. On a du coton, on a tout ce qu'il faut. Moi je me sens j'en ai mis deux. Prêt, vas-y. Oh. Une fois la voie de sortie trouvée, prenez garde à l'envahisseur courroucé. C'est nous les envahisseurs courroucés. Banzai. Alors attends. Téléporter un bon cendreux. Oh! Et ainsi, nos héros voyagèrent depuis l'appli Facebook jusqu'à l'appli Facebook 2. Android. Voilà, on va changer, on va les appeler comme ça en fait les mandats. À chaque fois, c'est des applis, tu sais. L'appli tablette, l'appli portable, l'appli Android, l'appli Deezer. Et mon cendre niveau 2. Moi, je pense avoir compris. Oh, putain! Attention, un des monstres. Regarde, il y a un orc. Quoi? Déconne. Attends une seconde. Non, un orque, genre pas le poisson, tu vois, mais genre l'orque. Ouais, non, mais j'avais bien compris, tu me prends pour un con. Oh putain, c'est Shrek! Ah, Je vais voir. Ah putain, il bouge quand même, alors je fais des roulades, c'est dégueulasse! Tout va bien. Oh, dis donc, il a lâché du loot. Ah, je bouge. Je sais pas ce que c'est l'agave. L'agave, c'est un cactus avec lequel tu fais la tequila, en tout cas le triple sec, un truc comme ça. Eh bah très bien, on a récupéré ça du coup. Là il y a un pilou. Voilà. On est bien. Impeccable. Je vais faire fondre le cuivre. Crafter de mon côté, voir ce que je peux crafter. Alors des blocs de bois. Ah putain, il faut non, ça marche pas. Pas grave. Charbon. Par contre, il y a moyen aussi de revenir dans le monde précédent pour aller chercher un peu de bois. Hein. Je pense que on peut accéder très facilement au précédent monde. Là j'y vais. Ouais, je peux m'y rendre. J'y vais. Non, j'ai plein de bois, j'en ai 39, tiens, regarde. Hop, oh merde, bûche, voilà. Trop tard. Téléportation. Ah merde! Ah non! Bon. Apparemment, je suis obligé de te suivre. C'est moi le boss. Je vis très mal. Très bien. Et il nous aurait fallu du charbon. Je me demande où on va pouvoir en trouver. Sans doute dans la mine du niveau suivant où on se trouve, puisque c'est là où on a trouvé le cuivre. Donc, je vais jeter 2-3 trucs quand même. La cohérence, mon cher Fanfan. La cohérence de l'open world. Tissu en coton établi, avec plus de coton on peut se faire un stuff complet en armure. Tu as le droit de m'ignorer. Ah, j'ai perdu Bob, un grand classique. Problème de connexion, à tout de suite. à tout de suite. On a retrouvé Bob. Toutes mes excuses, pardon. Je parlais, était là, je disais oui, il faut qu'on en profite aussi pour faire du matos. Et donc je ne t'ignorais pas, mon cher Fanta, je ne t'ignorais oui. pas. Je me suis douté de quelque chose quand tu commençais à répéter ce que je disais de genre il faut qu'on en profite pour faire du stuff parce qu'on se fait démonter là avec les monstres. Ça serait bien si on faisait des armures. Ah bon. Ok, ah, je crois qu'il n'y a, pas de charbon là-dedans. Je pense qu'on sera baisé, on en trouvera absolument. Ah, dis donc. Oh là là, je suis beau. Oh là là. C'est chum. Hein. Mais bon, l'armure est au taille. Tu peux, dans tes réglages, cacher le casque si tu veux, cacher le home. Ah, Dieu merci, parce que là c'était une catastrophe. Alors. Il faut le dire, hein. Il faut dire la vérité là où elle se trouve. Super. J'aime beaucoup l'interface. Ah, bah moi je suis bien, moi. Graines de coton, graines d'arbre émeraude et graines d'arbus. Non, mais laisse tranquille, c'est ta barre de. Non, mais y'a peut-être un bonus, hein. Sa barre de vie elle descend. Ok. Je nous téléporte. Je ne suis que déception et tristesse. Vas-y.
Alors, en sirant, en sirant. Allez, Mont-Cendre ! Et Mont-Cendre ! Les délicieux Mont-Cendre. Délicieux, du coup. Ah merde, ah merde. Du coup, où est-ce qu'on habite, nous ? Parce que moi, j'avais mis un bras zéro. Est-ce que ça serait pas un indicateur ? Parce que si on a tout perdu, on est mal. Non, mais c'est surtout un indicateur qu'on est des glandus, mon cher enfant. Déplacé. Des PNJ, on pourra acheter des chorous aussi. Je veux juste tester le sort de rage, en fait, sur cet enfoiré là-bas. Et... La guerre ! La guerre, elle est totale ! La guerre est absolue, elle ne se termine jamais ! En même temps, tu t'es fait focus, là. Non, c'est bon, je bois des potions par moi, tout va bien. Bon, il y a l'arme magma qui est sortie de nulle part. Ok, aïe, nickel. Aïe. Oh putain! Ah putain, me fait démonter la tortue! Putain, un peu de choses près. Super. Et bah, ça s'est bien terminé! Victoire totale, attends, il arrive! Voilà, bien sûr. Et quand ça arrivera dans le dictionnaire, on dira, on doit ce magnifique mot à Bob Lennon, néologiste de son actif. Barbare. Voilà, néologiste, il faudrait que je sois intelligent. Ça, l'avenir nous le dira. Ce qui veut dire que le passé nous le dit pas déjà. Ce qui veut dire que je suis complètement con. Bon, très bien, formidable. Moi, je dis rien. Ouais. Donc, on bah, allez, là-bas, cette espèce d'enculé en flamme, là. Parce qu'en fait, j'ai besoin de sa place, là, c'est mon champ, ici. Ouais, attention. Attention. Il y a des mobs de partout. Zip, zap, zap. Je brûle. Je vais t'aider. Je t'aide. Ça y est. Bien joué, on en a eu un. Ok, j'ai perdu quelques cœurs. Attention, j'ai l'impression qu'il y a une... Oh putain! Il y en a un autre. Ça serait bien qu'on le focus parce que moi je suis en train de crever en fait. Ouais, moi aussi, mais j'ai des potions, je suis en train de m'équiper à quand même une seconde. C'est bon. Mon sortilège de rage! Mais attends, non, c'est toi. Sip, sap. Ouais, je fais plus de dégâts. Sip, sap. C'est bon, il est mort, on l'a eu. Level up, mon cher fanfan, félicitations. Merci. Voilà. Les vrais strats. Est-ce que l'ami du petit jeûner va venir? L'ami du petit déjeuner. L'ami du petit déjeuner, d'accord. Ouais. Parce que l'ami du petit gêné, moi je viens visualiser en fait, c'est un mec qui vient à ton petit déj avec l'ami récoré, mais tu sais, il est un gêné, peu gêné. En fait. Ouais. C'est ça tout le temps, t'es là. Est-ce que tu peux passer le lait? Du charbon, j'ai du charbon, Bob. Bien joué. À quoi ça ressemble? Ça ressemble à un palais de hockey. À l'extérieur pour pouvoir faire une petite plantation, mon cher Fanta. Fiche, l'action c'est chez Fanta. Oui, mais tu t'en fiches peut-être, mais là tu vois, là vous voyez, chers amis, on a économique 101, économique médiévale. Pendant que le seigneur s'en fiche, va dans sa mine pour tenter de trouver de l'or, des ressources, des trucs. Là, la fermière à l'extérieur, elle fait écoute, vas-y, fais la guerre, mon grand, mais moi je sais clapper, ça se manage avec du blé, pas avec de l'argent. De l'argent, il est beau, mais tu peux pas le manger ultimement, mon gars. Donc, moi je plante, si, hein. Moi j'en mange tous les jours. J'épouse ma femme. C'est une grande bagave. Je sais pas ce qu'on peut en foutre. Mais c'est pas toi qui as dit qu'on pouvait en faire de la tequila. Oui, mais pas dans le jeu. Ah ouais, bon, mais écoute. Dans la vraie vie, quoi. Bah, c'est kid friendly, hein. Voilà. Et là, on est bien. Là, on est bien. Oh, je suis bien. Oh, je bouge plus. Je ne bouge plus, mon cher Fanfan. Alors. Donc voilà, oui. c'est juste pour vous mettre la hype. Pour la ça, beauté et... de la forme, hein, pour vous mettre la hype, exactement. Et il va y avoir du stremon. C'est moi. Ah bah, on a trouvé exactement. Le portail, il était trop fort. Ouais, non, mais c'est le. C'est pas. Ah non, c'est le portail qu'il faut remplir, celui-là. C'est celui ouais. de. C'est celui où il faut partir. Ah, c'est celui où il faut partir. C'est là où il faut fabriquer nos fragments. Ah, c'est nous, c'est le bon, c'est par là où on part. Ouais, en fait. Portail le plat bleu, je confectionne. Oh, bah, j'ai vraiment trouvé le portail en fait. Oh bah, trop bien. Bah voilà, je croyais que c'était l'entrée en fait ici donc. Non, tout va bien. Alors attends, parce que moi, tant qu'on y est, on y va franchement. Ah, d'accord, bah tant qu'à faire. Tu vois, j'ai mis des torches pour qu'on l'éclaire et qu'on sache où il est un peu taillé à la coupe. Ça ne sera pas à voir. Oh, ouverture de porte, monsieur Lennon. Oh là là, portail activé par Fantarchibald. Eh bien, écoute, plonge, slider, spoil-nous. Allez, le champ émeraude. Qu'est-ce qu'on va trouver dans le champ émeraude? Ah, bon.